bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor ce soir. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, le petit disclaimer pour vous expliquer que, dans aucun cas, ce que nous disons, ce sont des conseils, ce sont juste des discussions entre passionnés de bourse et pour vous dire un peu comment nous, on voit le marché. Et on se voit tout de suite avec notre ami Pierre Delonde d'Active Trade. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir à tout le monde, toute la communauté Pépitor, ça va très bien, merci Denis, je suis ravi que tu m'invites pour cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu du marché évidemment, comme d'habitude, et après on parlera de petites fonctions qui sont sur Active Trade, sur Active Trader, parce qu'Active Trader, on avait fait une vidéo comme quoi maintenant la plateforme TradingView était incluse dans Active Trader, donc on va avoir deux petites fonctions qui sont l'ordre pullback et le stop loss sweeper. Donc le stop loss sweeper, c'est très important, intéressant dans notre configuration de marché actuelle. Donc on va faire un petit débrief de marché. Qu'est-ce que tu en penses, toi, depuis notre dernière intervention avec nos amis Ricardo et Xavier ? Tu es toujours la même position ou tu as un peu évolué ? Alors oui, non, c'est-à-dire que évidemment, je suis toujours dans cette position de se dire que ce qui se passe cette année, finalement, sur ce premier semestre, c'est... c'est pas un crack, quoi, finalement. C'est un mouvement correctif de marché qui peut s'expliquer par une multitude de raisons, un contexte fondamental sur lequel on va revenir juste après. Voilà, pour moi, c'est une opportunité, justement, de faire un peu le plein. Alors, je dis pas qu'on a forcément fait le bottom, mais c'est vraiment un mouvement correctif. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on voit des gros investisseurs comme Warren Buffett faire un petit peu les soldes en ce moment sur quelques techs, sur des marchés qui ont bien décoté. Donc oui, ma position reste la même dans le sens où on est vraiment dans un creux de marché et pas dans un crack. Voilà, ça a toujours été ma position depuis le début. Maintenant, faut reconnaître quand même qu'à court, moyen terme, le contexte est baissier. Voilà, on va pas dire. Moi, je suis pas un permaboule. Je suis boule sur le long terme. Là, concrètement, pour moi, c'est une opportunité de rentrer, ce qui se passe cette année. Mais sur le court moyen terme, non seulement je suis baissier, mais en plus, voilà, je vois pas vraiment de. Comme le disait Ricardo sur la dernière vidéo, tant que les raisons qui ont emmené ce marché baissier n'ont pas changé, il n'y a pas véritablement, pour l'instant, de raison d'espérer un retournement à la hausse, là, dans les prochains jours. Les raisons du marché haussier n'ont pas changé non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans un QE, etc., etc., etc. Oui, quoi. Exactement. Et d'ailleurs... Donc en fait, on est dans le QE, donc on est en haussier. Après, on est en baissier parce qu'on a l'inflation, on a l'augmentation des taux et la crise russo-ukrainienne. Alors, qu'est-ce qui va gagner ? Parce que maintenant, il n'y a plus de news. Alors, plus de news, qu'est-ce qui prend le dessus sur l'autre ? L'haussier long terme de fond ou le baissier court terme depuis le début de l'année ? C'est un peu... Merci Denis, déjà, pour commencer, parce que je suis content que tu poses la question comme ça. C'est exactement ce qui se passe. Là, ce qu'on voit, comme je disais, ce n'est pas un crack. Alors effectivement, la pression quand même, il y a plus de leviers baissiers. Je parle des actions, je parle des actifs à risque. Il y a plus de leviers baissiers sur les marchés que de leviers haussiers. C'est pour ça que ça tanque, que ça baisse graduellement. On a effectivement la guerre en Ukraine, le resserrement monétaire. D'ailleurs, les politiques monétaires, c'est même... On a de plus en plus de doutes des investisseurs par rapport à ce que fait la Fed, par rapport à ce que fait la Chine aussi. Donc, le contexte est quand même plus baissier qu'haussier, mais comme tu l'as très bien souligné, les investisseurs, pour l'instant, ils sont tirés dans plusieurs directions parce qu'on a des signaux mitigés. En fait, on a à la fois le contexte baissier qui est apporté par les tensions géopolitiques avec évidemment l'Ukraine, mais là plus récemment avec Taïwan, entre les États-Unis et la Chine avec Taïwan. On a la situation sanitaire en Chine avec le fameux stimulus de la PBOC aussi en Chine, donc les mesures justement de soutien à l'économie qui ont vraisemblablement un impact limité. Justement UBS, JP Morgan ont dégradé leurs prévisions de croissance pour la Chine. Les Chinois réouvrent, je crois d'ailleurs. Ils sont en train de laisser de côté la politique Covid-0, ce que j'ai pu comprendre. Ils disent ça, mais il y a eu un record de nouveaux cas à Pékin encore hier. Vraiment, on est dans une situation d'incertitude par rapport à la Chine. Ce n'est pas qu'une histoire de virus, c'est une histoire d'économie. En fait, c'est une histoire de pognon, comme à chaque fois. C'est une histoire d'économie, de PIB, de balance commerciale et de bilan des banques centrales. Donc là, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté,
Déjà en Asie, c'est compliqué parce que la Chine, c'est quand même la deuxième plus grosse économie du monde. Et aux États-Unis, c'est encore plus compliqué parce qu'on est sous le coup d'un resserrement monétaire avec des hausses de taux, ce qui provoque ce qui se passe justement sur les marchés obligataires. On a vraiment les investisseurs qui pricent des hausses de taux. On s'attend à 2%. Je crois qu'il y a encore le président de la Fed de Philadelphie hier qui a dit qu'il s'attendait à des taux à 2% fin août. Donc il y a ça. Et en même temps, on a la Fed qui ne réduit pas encore son bilan. Donc ça reste haussier, comme tu l'as très bien dit. Et en même temps, il y a l'inflation qui ne montre toujours aucun signe de ralentissement. Donc, il y a tellement de leviers, comme tu l'as dit, Denis, il y a tellement de news que s'il n'y a plus de news, en fait, quelque part. Et je pense que les marchés vont rester très bumpy, très volatiles, sans grande direction, tant qu'il n'y aura pas de percée significative sur chacun de ces dossiers. Et pour moi, les dossiers les plus importants, évidemment, ce qui se passe en Ukraine, c'est atroce, etc. Mais c'est les banques centrales, quoi, tout simplement. C'est toujours une histoire de politique monétaire. Et là, les investisseurs commencent à se demander. Au début, ils saluaient la hausse des taux de la Fed qui avait été annoncée en mars, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils avaient perçu ça comme un signe une volonté de Jerome Powell de lutter contre l'inflation. Sauf que l'inflation continue de monter, que la Fed ne réduit pas son bilan. Donc, entre guillemets, moi, je le traduis comme ça, elle n'a aucune volonté de lutter contre l'inflation. Et deuxièmement, le resserrement monétaire, il y a de plus en plus d'investisseurs et d'analystes qui commencent à penser que c'est trop agressif, en fait, ce que la Fed est en train de faire, et que c'est en train de tuer les prévisions de croissance pour fin 2022, début 2000, enfin même toute l'année 2023. Donc, dans ce contexte-là, quand la croissance est en danger, justement, normalement, la position d'une banque centrale, c'est plutôt d'être accommodant. Et là, voilà, on est dans une situation un peu inédite. On Ouais, mais que si on a. bloque la croissance, on En fait de fait, c'est ça. l'inflation, et si on bloque C'est ça. l'inflation, on bloque la croissance, Moi, je pense. c'est Alors, chirurgique, hein, cette affaire, hein. ça c'est mon anticipation personnelle, d'accord? C'est pas du tout un conseil ou je ne sais quoi, mais à mon avis, la Fed ne réduira pas son bilan et elle trouvera même une autre excuse pour l'augmenter. Et elle rattaquera les assouplissements quantitatifs. Et c'est comme. Alors, je dis pas que ça va se passer demain, mais je suis sûr que ça va arriver sur la table à un moment donné. Parce que c'est pas, comme on l'a dit, notamment lors de la réunion des quatre mousquetaires de la dernière fois d'il y a 3 semaines, c'est pas avec des hausses de taux que la Fed va enrayer l'inflation. C'est tant que la Fed continuera son mécanisme inflationniste, justement, d'émettre de la dette et de racheter des obligations d'une porte à l'autre. L'inflation continuera de monter. Donc, on verra ce qu'il en est. Christine Lagarde, alors en Europe, par contre, c'est un peu différent parce que Christine Lagarde est en train de mettre en place, en fait, elle emboîte le pas de la Fed, hein, tout simplement. Elle est en train de mettre en place le programme de remontée des taux aussi. On aura certainement plus de détails lors de son discours. Je rappelle pour les auditeurs que nous sommes Le le 24. 24 mai. Voilà, donc il y a un discours de Christine Lagarde ce soir. Peut-être qu'il y aura plus de détails, on verra. En tout cas, c'est bon pour l'euro, cette histoire. D'ailleurs, on l'a vu sur l'euro-dollar, hein. Le dollar a pris une petite claque en ce début de semaine et l'euro est un peu remonté. Mais voilà, on est dans un contexte super incertain. On n'est pas dans un crack. OK, il y a eu une belle décote. OK, on est sur un bear market sur le Nasdaq. On est sur les 38,2 sur le S&P. On a cassé des niveaux clés, je suis d'accord. Et peut-être même qu'on va aller même encore un peu plus bas. Mais on n'est pas du tout dans un crack, de toute façon. Donc ça doit être perçu. Moi, je recommande, là, dans ces temps incertains, fondamentalement, garder en tête les fils rouges que sont les politiques monétaires, les tensions géopolitiques, et faites de l'analyse technique. Identifiez vos niveaux, cadrez vos marchés, et tenez-les, quoi. Surveillez-les et agissez en conséquence. Alors maintenant, c'est là où on va voir les bons traders des bons analystes. Hein. Rappelez-vous, j'avais dit que les bons analystes ne font pas forcément des bons traders, mais par contre, pour être un bon trader, il faut être un bon analyste. C'est une phrase de Karen Pellwall, ça, si je dis pas de bêtises, dans son bouquin. Et là, du coup, une fois que vous avez cadré vos marchés, que vous avez identifié vos supports, vos résistances, vos potentiels points d'entrée, que ce soit à long, court ou moyen terme, il va falloir élaborer des stratégies. Où est-ce que vous sortez? Est-ce que vous rentrez en plusieurs fois? Est-ce que vous allez vous couvrir, vous hedger, etc. Enfin, va falloir être malin. Dans ces Mettre des types de stop marchés-là, suiveurs. exactement. Merci, la transition est toute trouvée, Denis. Justement, moi, je suis là pour vous donner quelques outils. Quelques outils, ce n'est pas du tout des nouveautés, hein, mais c'est des outils qui sont présents sur la plateforme Active Trader. On a parlé avant, moi je ne les connaissais pas, mais pour moi c'était très très intéressant. C'est pour ça que. Et toi, tu utilises un petit peu Active Trader avec TradingView? Oui. Oui. Ah! Oui. Ah! TradingView, moi, j'ai toujours été sur TradingView pour Ouais. des raisons
amicale, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que Vincent Gann, à l'époque, on s'entendait très bien, et il m'avait offert l'abonnement premium, et donc, vu que de l'autre côté, PRT vous n'ont jamais rien voulu m'offrir, donc c'était payant. Donc, je suis parti sur le gratuit TradingView, et c'est fantastique. Bon, maintenant, ouais. Vincent Gann ne travaille plus là-bas, donc je ne l'ai plus, mais moi, j'ai, pendant 2-3 ans, j'ai tradé sur TradingView. Enfin, j'ai fait mon analyse technique sur TradingView. Donc, si maintenant, en plus, comme je fais mon analyse technique sur les TradingView et que j'ai la possibilité de passer des ordres sur TradingView, oui, je le fais. Hein. Moi, je te rejoins à 100%. J'ai toujours trouvé que c'était super ergonomique. Franchement, les graphiques, la quantité de d'outils de dessin, d'annotations graphiques, d'indicateurs techniques, c'est... Non, en plus, le fait de trader sur TradingView, c'est fantastique quand tu mets la petite ligne, le stop, et quand ça top le stop, c'est fantastique. Oui. Non, moi j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est vrai que quand on a développé ActiveTrader, qui est notre plateforme propriétaire ActiveTrades, on avait nos graphiques forcément à la base, mais on a préféré se tourner vers des professionnels, des gens qui sont là. On a vu qu'on pouvait développer ce partenariat justement avec TradingView. En plus, TradingView, c'est reconnu beaucoup en France d'ailleurs, je le vois ça. Hein. Je compare un petit peu avec les autres desks, Denis, et je m'perçois que c'est en France, ça jouit d'une popularité. Ah ouais. Moi, j'avais entendu que PRT, c'était très pro-franco-français, et que TradingView, c'était plus au niveau mondial. Alors, au niveau mondial, je ne sais pas, mais c'est vrai que en Europe, alors évidemment en Allemagne et en Italie, c'est aussi beaucoup utilisé, mais en France quand même, on est. J'ai l'impression qu'il y a une très très grosse communauté française sur TradingView. Bah, TradingView, c'est les cryptos, les indices, et PRT, c'est plutôt les actions en fait. Ah, c'est ça. T'as pas de crypto sur PRT ou c'est. PRT. PRT déjà, j'aime beaucoup la plateforme, je l'ai utilisé des années, je l'utilise encore maintenant à titre personnel, mais. C'est quand même bien moins ergonomique, c'est bien moins accessible en tout cas, pour ceux qui débutent. Mais c'est plus précis, hein. PRT c'est plus précis. Ah oui, hein. Attention. C'est-à-dire que quand tu traces une ligne en daily, une trend line en daily, quand tu prends les tops de tous les prix en daily, quand tu tombes sur le 15 minutes, tu as encore tous les tops. Donc ça veut dire que les lignes sont beaucoup plus précises. Sur TradingView, tu as un petit décalage, c'est-à-dire que tu es obligé de refaire ta trend line dans les unités inférieures. Ah. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est juste un petit détail, quoi, mais bon... Non, bien sûr, mais en fait, PRT fournit des possibilités vraiment énormes, je trouve, que ce soit en trading, en analyse, en configuration même de la plateforme elle-même, etc. Mais... c'est un peu plus galère à prendre en main, je trouve. Bah forcément, c'est plus sophistiqué comme outil, déjà, donc évidemment. Mais en tout cas, nous, on est satisfaits de ce qui se passe avec TradingView. Je trouve qu'il y a une belle synergie. Les graphiques sont fluides, ils sont beaux, faciles à prendre en main. Donc, on va bientôt avoir la version pro, tu me disais, mais il ne faut pas le dire, c'est ça ? D'accord. Bon. Bah, faut pas le dire, mais on fait que de le raconter. Ouais. Non, oui, on est en train de d'augmenter un peu ce partenariat, d'essayer de faire sortir ce partenariat entre guillemets d'ActiveTrades, essayer de rendre possible justement pour les détenteurs d'un compte d'ActiveTrades d'avoir des avantages sur TradingView, d'avoir des packages, des comptes pro, etc., ce genre de choses. C'est en négociation, donc je ne veux pas m'avancer, mais voilà. En tout cas, c'est dans les tuyaux, ça je te le confirme effectivement. D'accord. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, je suis là, moi, pour vous présenter deux fonctionnalités. Alors, je vais essayer d'illustrer ça si la bande passante nous le permet directement sur les graphiques, justement avec TradingView sur ActiveTrader. Deux fonctionnalités de trading, purement et simplement, on ne va pas parler d'analyse de marché aujourd'hui. La première, c'est le trading stop progressif, stop suiveur progressif. Alors, Denis, je t'ai un petit peu expliqué en off les tenants, les aboutissants, mais si tu as des questions, n'hésite pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont des questions, hein, moi, je répondrai personnellement sur la vidéo, comme à chaque fois. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Je vous mettrai les liens, je communiquerai les liens à Denis pour qu'il les mette en description. Le trailing stop, chacun sait ce que c'est qu'un stop suiveur. Un stop suiveur, c'est finalement, alors je rappelle hein, pour ceux qui découvrent, c'est un stop qui va bouger avec le marché. C'est-à-dire qu'imaginez que vous rentrez à 6000 points sur le CAC 40.
Vous rentrez à 6000 points et vous vous dites, tiens, j'ai un niveau d'invalidation 20 points plus bas. Mais par contre, si le marché commence à décoller, je veux que justement mon stop suive un petit peu le marché. Donc vous paramétrez votre stop suiveur à 20 points et disons que le stop va bouger, mais sera toujours à 20 points du prix actuel du marché. C'est-à-dire que si le marché passe de 6000 à 6050, vous aurez votre stop suiveur à 6030, voilà, etc. Ça vous permet en fait de profiter beaucoup plus d'un mouvement de hausse ou de baisse d'ailleurs, hein, dans le cas d'un short, et d'éviter justement que le marché se retourne complètement avant que votre stop soit finalement activé. Voilà. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé notamment par des traders intraday souvent ou qui font des cours swing. Et moi, ce que je vous propose avec le Progressive Trailing Stop, c'est justement un stop suiveur qui lui va être dynamique. Alors, qu'est-ce que j'entends par dynamique ? C'est-à-dire que la distance que vous allez paramétrer entre votre stop et le prix actuel du marché va bouger en fonction de critères que vous aurez définis dans votre stratégie. Je m'explique, je prends un exemple. Le CAC est à 6000 points. Vous avez toujours votre niveau d'invalidation 20 points plus bas à 5980 points. Le marché commence à décoller, sauf que vous vous dites, tiens, j'ai un take profit à 6150, donc assez loin, on est à 150 points du prix actuel. Et vous vous dites, tiens, j'aimerais profiter quand même de l'intégralité du mouvement, mais je sais que dès qu'on va arriver à 6100, il peut y avoir justement une correction technique assez forte parce que c'est un niveau technique ou psychologique assez fort, etc. Peu importe les raisons, ça c'est votre stratégie. Et là, vous vous dites, dès que le marché touche les 6100, je veux que mon stop se resserre en fait, qu'il passe de 20 points à 10 points. Et ça, c'est possible avec le trailing stop progressif. C'est-à-dire que quand vous allez paramétrer votre stop suiveur, vous allez définir des niveaux, vous allez définir, voilà, 6100, on passe à 10 points. Et votre stop sera raccourci de 10 points, de manière à ce que s'il y a une chute, s'il y a une correction plus forte que ce que vous n'attendez, en fait, vous soyez exécuté, enfin, vous ne perdiez pas l'intégralité, enfin, pas l'intégralité, mais une plus grosse partie des bénéfices que vous avez engrangés jusque-là. Est-ce que c'est assez clair, Denis? Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je rentre une position à 6000, je mets un stop à 20 à 5980, et dès que j'arrive à 6050, je me mets à BE. C'est possible, ça? C'est possible, oui, bien sûr, absolument. C'est-à-dire que dès que j'arrive à 6050, je mets mon stop à 6000, automatiquement. Hein. C'est possible de faire ça, mais ça, tu peux même le faire... tu veux dire automatiquement. Oui, c'est possible. Avec le stop suiveur progressif, c'est possible, d'accord. Absolument. Mais d'ailleurs, par exemple, je fais ça et puis je rentre en réunion, je vois que ça tape les 6000, donc je rentre et je mets un stop à 5980, et si jamais ça passe au-dessus, je me mets à BE. Ouais, et c'est possible, c'est une possibilité, mais l'idée vraiment initiale du stop suiveur progressif, c'est justement de, au fur et à mesure que le mouvement progresse, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le stop se raccourcit. Il peut s'augmenter, ça dépend de ce que vous définissez dans votre stratégie, mais en tout cas, il est possible de définir des niveaux de stop suiveur progressif. Je vous montre tout de suite avec la plateforme, ce sera peut-être plus clair. Alors, je vais partager mon écran. Denis, d'accord. Tu me dis si on a des problèmes. D'accord. Et au besoin, je désactiverai la vidéo. Donc là, normalement, vous devriez avoir un graphique du CAC 40. Oui, c'est cela. En vue à très court terme, en une minute. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez voir, typiquement, on est sur un graphique en une minute, donc très, très court terme. On était dans un canal haussier. On est venu taper le retracement intégral de ce mouvement de baisse qu'il y avait eu. Et là, on est en train de faire une rupture de tendance haussière à très court terme. Donc, imaginons que je place un ordre, je veuille aller chercher... Alors, on va se faire un petit scénario. On va prendre... Hop. Alors, je vais modifier un peu tout ça. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. On va mettre les supports en vert toujours. Et les résistances en rouge. Voilà. Imaginons que j'ai ça. Donc là, je me dis, tiens, on a cassé la tendance baissière. Je vise un renversement du coup de la tendance. Et si d'ailleurs, si je m'éloigne un peu plus à plus long terme, on s'aperçoit qu'on est toujours dans cette phase de consolidation après le gap qu'il y avait eu ici. Donc, on est en droit de se dire, tiens, les marchés vont repartir à la baisse. C'est pas du tout un conseil. C'est vraiment pour montrer un petit peu, essayer d'établir un scénario. Ouais. Voilà. Donc là, je me dis, tiens, je passe vendeur. Donc, je vais faire nouvel ordre et je vais passer vendeur. On va aller viser les 0,5 ici à 6278. OK ? Donc, je vais faire nouvel ordre.
Voilà. Je vais même rentrer au marché tout de suite hein, pour éviter de perdre du temps. Tac. Je retrouve mon ordre ici, comme vous pouvez le voir. J'ai vendu à 6296,46. Et là, je vais dans mon ordre pour paramétrer mon trailing stop progressif. D'accord? Vous allez dans trailing stop ici. Et là, vous avez add. Alors oui, la plateforme est en anglais. Add another tier. So, ça, c'est ajouter un nouveau niveau. Donc, imaginons que là, j'ai mon niveau d'invalidation ici à 6303. On est à 6296. Donc, imaginons que je mette un stop de 10 points pour l'instant. Mais je peux me dire que si, par exemple, on arrive à 38,2 à 6284, là, je veux que mon stop se réduise parce qu'il peut y avoir un rebond sur 38,2 de Fibonacci, souvent, avant d'aller chercher les 0,5. Donc là, je vais me dire, tiens, à 6284,94, on va être précis, je veux qu'il passe à 5 points. Et je peux même rajouter encore un niveau. Mais on va le faire comme ça. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, donc le marché est ici. Je suis en train de perdre 22,20 € sur la position. Donc je suis quasiment au niveau BE, hein, au niveau d'entrée. J'ai mon trailing stop là. Et dès que le marché va taper les 38,2 ici, mon trailing stop va passer à 5 points automatiquement. Ce qui me permet de resserrer un petit peu tout ça. Donc vous voyez, c'est facilement paramétrable. Je peux même encore le modifier à souhait. Je peux rajouter encore un niveau et me dire, tiens, si on arrive à 6000. Je sais pas moi, 6282 par exemple. Je veux qu'il passe à 2 points. Je peux le faire aussi. Et là, j'ai vraiment voilà, mes deux niveaux de trailing stop. Alors, malheureusement, je ne sais pas si on pourra les voir en vidéo directement parce que le marché, il est possible que là, on ne reparte pas du tout à la baisse et qu'on s'inscrive plutôt dans une phase de consolidation latérale. On verra. Mais en tout cas, c'était vraiment pour expliquer la facilité déconcertante avec laquelle vous pourrez paramétrer votre stop suiveur progressif. Et ça rend le stop suiveur beaucoup plus intelligent. Alors évidemment, là, je l'ai fait rapidement en paramétrant de manière un peu arbitraire les points, mais vous pouvez Oui, tu es faire des rentré au études. marché, tu n'as pas fait ta stratégie, tu n'as Voilà, pas voilà. identifié les points comme normalement on devrait toujours faire, quoi. J'ai quand même donné un semblant de scénario, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une rupture tendance haussière et que je vise un retournement, un retour sur les 0,5 ici, un retracement même de 0,5, hein, quitte à ce qu'on rebondisse là et qu'on reparte à la hausse derrière. Mais pour l'instant, voilà, je suis rentré ici, je vais chercher là, et je sais que si on tape là, mon stop se resserre, et si on tape encore ici, mon stop va se resserrer encore. Et voilà. Donc c'est vraiment pour essayer d'aller grappiller jusqu'au max d'une tendance. Vous savez, hein, pour ceux qui pour les traders actifs enfin pour les pépitoriens, pépitoriennes de traders actifs le savent, il est impossible, ou alors il faut être extrêmement chanceux d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut, au tick près. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de grappiller un maximum de miettes, justement, de points dans cette tendance. Et le trailing stop progressif s'inscrit justement dans cette optique, puisqu'il vous permet justement d'aller gratter jusqu'au max du max. Donc évidemment, si on veut faire des choses un peu plus poussées, on marque ses niveaux un peu mieux, on corrige, on surveille la volatilité intrinsèque de l'actif. Hein, comme par exemple, j'aurais pu rajouter un petit ATR là qui me donne la variation hebdomadaire des 14 dernières bougies. Là, je vois par exemple sur les 14 dernières bougies, on a varié de 2,24 points. Donc ça peut être une information intéressante quand on place un stop. On sait qu'une variation, là, si je place un stop à 3 points, ça fait sens du coup. Mon stop est corrigé de la volatilité. Donc voilà, il y a une quantité de possibilités assez étendue. Mais je pense avoir fait le tour, Denis, tu m'arrêtes, hein, Bon, c'est si... très bien. Ok, très bien. Alors, j'ai arrêté mon écran. Et puis maintenant, je vais passer à la... Bah, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté l'écran, parce que j'ai une deuxième fonctionnalité à présenter, d'ailleurs. La deuxième fonctionnalité est un petit peu plus technique. C'est un nouveau type d'ordre. D'accord? Donc, vous savez... qu'il existe plusieurs types d'ordres. On parle souvent d'ordre au marché, mais quand on parle de type d'ordre, on fait surtout référence à des ordres pending ou différés. Alors, je vais repartager mon écran, du coup, Denis, si tu le veux bien. Voyez, par exemple, chez Active Trades, et comme c'est le cas chez la plupart des brokers, vous avez les fameux buy limit. Donc là c'est une page internet, une page de notre site internet que je partage, qui présente un peu les différents types d'ordres. Vous avez les buy limit, les sell limit, les buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est un autre type d'ordre.
C'est ce qu'on appelle le pullback order ou ordre pullback. Mmh. C'est un ordre qui vous permet à la fois justement de paramétrer un niveau de prix sur lequel il va s'activer, à la hausse comme à la baisse, mais également de prendre en compte une distance, une amplitude de prix d'un mouvement, justement, d'un mouvement de pullback, de retracement. C'est un ordre de renversement, le pullback order. Imaginez que vous êtes dans une tendance haussière, vous allez définir justement un niveau de résistance sur lequel vous pensez que le marché va buter et qu'après il va redescendre, il va même se retourner. Là, plutôt que de mettre un ordre sell stop ou sell limit classique, vous allez mettre un pullback order, c'est-à-dire que vous allez rentrer qu'à partir du moment où l'ordre a touché le niveau de prix que vous avez défini, mais a également progressé d'une certaine amplitude de prix vers le bas. Je m'explique. Alors, je vais peut-être le faire en démo sur le graphique. Voilà, ça va être plus pratique. On va reprendre notre ordre, notre fameux CAC 40 ici à 6300 points. Alors, j'ai supprimé l'ordre du trailing stop pour un confort visuel parce que mon graphique est déjà assez chargé. Donc, imaginons que, je sais pas, voilà, là, les 1603 points, pour moi, c'est un niveau de résistance majeur. D'accord ? On est déjà venu taper une fois et carrément, il y a une réaction négative qui a conduit à la rupture de la tendance baissière. Donc, imaginons que pour moi, c'est un niveau clé de résistance. Je pense que si le marché y retourne, il y a de fortes chances pour que, cette fois-ci, les vendeurs reprennent complètement la main et que le marché se retourne. Imaginons qu'on soit dans ce scénario-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer un nouvel ordre et je vais me dire, tiens, les 6300 points, par contre, je ne veux pas rentrer pour rien. Je veux me dire que je veux qu'il y ait une décote de 20 points avant que mon ordre s'active. D'accord ? Donc, je vais paramétrer 6303,81 points très précisément comme trigger price ou prix de déclenchement. Et mon ordre va s'activer que lorsque le marché aura décalé de 20 points. D'accord. Comme ça, en fait, bah, je le fais. C'est pour éviter la mèche haute ou quelque chose comme ça. Ouais, et c'est surtout pour éviter, c'est pour rentrer sur des mouvements directionnels et éviter les petits mouvements de bruit de marché, en fait, surtout. Alors, je vais le faire en direct avec vous. Pending, vous allez dans ordre différé, voilà. Ici, vous sélectionnez, donc moi, je veux vendre, donc on va faire un sell stop et on va faire pullback order. Voilà, vous sélectionnez pullback ici. C'est quoi la différence entre sell stop et sell limit ? Alors ben là, regarde, je te ramène ici sur la page de notre site qui est très très bien faite. Un sell stop, en fait, donc c'est un ordre de vente où... alors, tu sais quoi, je vais la mettre en français pour ceux qui sont avec nous et qui n'ont pas le plaisir de parler l'anglais. Yes. Mais alors, un sell stop, c'est ça. Attends, il est où ? Bouge pas, voilà. Sell stop est un ordre de vente placé donc en dessous du prix du marché. Les ordres de ce type habituellement placés dans l'anticipation que le prix de la devise ayant atteint un certain niveau va continuer de baisser. Donc là, tu vois, par exemple, dans ce cas précis, le marché est là. Toi, tu mets un sell stop ici. C'est-à-dire que si le marché continue à baisser, bah, tu vends le marché. En gros, c'est ça, tu vois. Et c'est l'inverse dans le cas d'un buy limit, un sell limit. C'est vrai que c'est important de revenir sur ces différents types d'ordres parce qu'ils sont un peu méconnus et pas trop utilisés. En plus, ça rentre complètement dans le cadre des stratégies dont je parlais en début de vidéo, où il est important de savoir si vous voulez acheter, vendre un marché, évidemment, si le marché va monter ou descendre, mais il est important de savoir comment vous allez orienter vos stratégies, comment vous allez trader tel ou tel mouvement. Voilà. Donc, je reviens un petit peu à nos moutons. Ah bah voilà, regarde, tu vois, le temps qu'on aille sur la page, on a tapé le niveau des 6303 points. Donc, je vais pas pouvoir le mettre en ordre pullback. Remarque, si, parce qu'on est en train de buter dessus. On va essayer de se le faire. On va essayer de le mettre. Ouais, mais là, on a déjà eu la mèche haute, ça va être compliqué, malheureusement. Bah, mets-le sur la mèche pour voir, sur le haut de la mèche. Ouais, on va se faire un exemple. T'as raison. Mets-le sur le haut de la mèche. Alors, je vais le mettre à... sell limit, sell stop, pullback, et on va se le mettre à 6305. Est-ce que je suis trop près du prix d'entrée? Ouais, je suis peut-être un peu trop près du prix d'entrée. Attends, on est à 6303. Alors, on va se mettre un lot et on va se le mettre à 6310 et on a qu'à se dire que je veux un retracement de 15 points. Ouais. Voilà, admettons. Et je peux même paramétrer un trailing stop ici directement. Voilà. Donc là, et alors, je peux même le modifier. On va le rapprocher un peu sur la mèche haute.
Si on retourne sur la mèche haute, là, le prix qu'on a tapé sur la mèche haute, j'ai un ordre de vente, enfin non, j'ai un ordre de vente différé qui va s'activer. Et tu sais quoi? Je vais même le rapprocher, la distance de pullback, je vais le mettre là. Comme ça, regardez, dans ce scénario-là, si on retourne ici, bah là, j'ai un ordre de vente différé qui va se mettre en place ici. D'accord, ok. Uniquement ici. C'est-à-dire que si on casse ce support-là, je vais le mettre un peu en dessous. Si on casse ce support-là, bah ça veut dire qu'en fait, cette résistance, elle joue son rôle. Et que on part dans un mouvement beaucoup plus directionnel à la baisse. Et du coup, je vais pouvoir aller viser, voilà, 38,2, 50, 61,8. Bon, pour l'instant, le marché ne me donne pas raison. Et d'ailleurs, j'aurais pu placer un stop loss pour être sûr, voire même un trailing stop, comme on l'a vu. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et voyez, plus le marché monte, plus ma distance de pullback monte aussi. En fait, ce qui va déclencher mon ordre, c'est vraiment le pullback. Tant que le marché ne retrace pas de 20 points, je ne suis pas exécuté. Et le trailing stop, là, il va se déclencher quand ton ordre sera déclenché. C'est-à-dire que qu'on avait vu sur. Absolument. Alors, je l'ai pas paramétré, mais effectivement, je peux le paramétrer. Alors, pullback, je peux le paramétrer. Tac, tac. Voilà, je peux le paramétrer ici. Et je peux le mettre de, je sais pas, moi, 15 points, peu importe, quoi. Voilà. Je peux le mettre de 15 points. Donc, et là, une fois que vous avez ça, alors évidemment, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas énormément d'analyse derrière ce trade, je suis rentré un petit peu n'importe comment pour vous montrer comment ça pouvait se paramétrer, mais quand vous combinez une bonne analyse technique avec des bons niveaux bien significatifs reconnus par le marché, que vous avez une stratégie et que vous arrivez à tout cadrer, là, vous êtes quasiment dans du semi-automatique en faisant ça. Parce que voilà, vous avez tout cadré, quoi. Vous pouvez limite fermer l'écran. Et alors, je ne vous recommande pas, surtout si vous êtes sur du scalping ou de l'intraday, c'est toujours bien de surveiller. Mais je veux dire, là, il ne peut rien vous arriver. Quasiment rien vous arriver. Parce que votre perte est maîtrisée, vos objectifs sont maîtrisés aussi. Donc voilà. Là, par exemple, dans ce cas précis, moi, je serais tenté de l'annuler, l'ordre, parce que bah, on est quand même bien au-dessus de cette résistance-là. Donc il y a de fortes chances pour qu'on aille en chercher une plus haut. Donc par exemple, regardez, maintenant qu'on est dans ce cas de figure, on peut se dire, tiens, on va prendre ça, on va se faire une projection de Fibo ici. Et là, le prochain niveau qui m'est donné, il est ici. Alors hop, 0, attendez, je réaffiche tout. Et là, on peut se dire, voilà, la prochaine résistance, elle est là. Donc je peux faire la même chose, rebelote. Si vous voulez, on se le fait en live. Alors moi j'ai remarqué quelque chose de bizarre, c'est que quand on trade des actions, on trade les breakouts. Et quand on trade les indices, on ne trade pas les breakouts, mais on trade toujours les reflux en fait. Il y a beaucoup, il y a Ah oui, tu trouves? très peu de traders de breakouts sur les indices. Alors, bah, ouais, je sais pas, j'ai. Quand on fait les indices, on est sur une résistance, on considère, la première chose qu'on considère, c'est ben, je vais shorter la résistance. C'est-à-dire que dans aucun cas, le réflexe, c'est de dire ben, je vais acheter le franchissement de la résistance. Alors que sur les actions, on a plus tendance à acheter un franchissement de résistance que d'un pullback. C'est-à-dire que par exemple, là où on est maintenant, là, sur une action, ben, tu rentrerais à l'achat, quoi. Tandis que sur les Ouais. indices, tu cherches un niveau pour shorter. Oui, mais ça change en fonction des configurations aussi, hein. C'était pas la même chose en 2021 et 2022, D'accord. par exemple. C'est-à-dire que pour toi, de toute façon, tu veux être dans la. T'es dans le sens de la tendance de fond. Bah, en fait, écoute, il n'y a pas de justement, c'est ça qui est merveilleux en trading et en investissement, c'est que tu n'as pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il faut juste être. Si tu es un trader contrarien et que tu joues les corrections, aucun problème. Tu peux faire de l'argent complètement. Bien sûr, souvent les mouvements correctifs sont plus brutaux que les mouvements de Ouais, tendance. mais là il faut être Donc devant l'écran parce qu'il faut vendre ça tout, fait sens. faut pas Bien garder la sûr. position quand on est en contre-tendance. Bien sûr. Généralement, on dit the trend is your friend. La tendance est Yes. ton ami. Donc, on encourage les gens à être des traders de tendance parce que c'est des mouvements beaucoup plus stables. On recommande aux gens d'acheter les creux de marché. Voilà. Mais tu peux très bien être trader contrarien. Tu peux viser les renversements. Tu joues les corrections.
Évidemment, et même une fois que tu as identifié ton style de ton profil de trader, après, tu as différentes façons de trader ces mouvements-là. La correction, comment je la trade? Est-ce que je rentre en une fois sur le top de marché? Est-ce que je rentre en plusieurs fois? Est-ce que je dégrossis en plusieurs fois? Est-ce que je me couvre? Est-ce que, tu vois, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que tu as une infinité de possibilités. Donc là, tu vois, je reviens un peu à nos moutons. J'ai placé un ordre pullback sur les 38,2 de Fibonacci, de projection de Fibonacci à 6314,83. C'est-à-dire que si le marché arrive là, eh ben, une fois que le marché aura retracé d'une quinzaine de points à peu près, là, sous les 23,6, j'ai un ordre de vente qui se mettra en place avec un trailing stop de 5, je crois qu'on a 5 points sur le trailing stop, ouais, 6312, 6307, et je me dirais qu'on part dans une phase de correction baissière. Donc, on va voir si ça va se mettre en place. Mais ouais, non, Denis, ça c'est très intéressant la question que tu as posée avant. Que ça soit sur les indices, le forex, les obligations, il y a des traders de range, des traders de tendance, des traders de correction, des gens qui cherchent le renversement. Ça, c'est un style très compliqué. Les figures chartistes de renversement sont des figures les plus compliquées à trader, qui ont le moins de taux de fiabilité et de réussite. En tout cas, tout ce qui est épaule, tête, épaule, soucoupe, diamant, Ouais, c'est dur, hein. c'est dur, C'est ce très sont des dur. choses dures. C'est beau quand Effectivement, t'as trouvé une, mais c'est un peu c'est beau, comme et du puis sport, ça. quoi. Ah, j'ai trouvé une épaule, tête, épaule. Mais Voilà, pour qu'elle et se ça fait réalise, envie parce que ouais. généralement, c'est annonciateur de mouvements super puissants. Alors qu'en vrai, si vous vous concentrez sur les drapeaux, les fanions, Mais les... t'as tapé la. Ah bah Ouais. voilà, j'ai tapé. Donc là, j'ai justement, bah voilà, on voit que mon pullback avance en même temps. Ouais. J'ai été trigger pour l'instant. Est-ce que je suis sur un excès de volat ou pas? On va voir. Mais dès que j'ai un retracement de... J'ai mis combien sur le retracement? Attends, bouge pas. J'avais mis 15 points, je crois. Non. J'ai mis 5 points. Ouais. Non, ça c'est le trailing stop, pardon. J'ai mis 7,68 points. Ouais, parce que je l'ai fixé. Ah oui, Oui, t'as dit. je l'ai fixé sur le graphique au jugé, pardon. Donc là, si j'ai un retracement de 7,68 points, bam, je suis exécuté à la vente. Voilà. Bon, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça De toute part bien façon, là, pourtant, hein, une belle bougie verte. cette vidéo, elle sera Hein. publiée dans quelques jours, donc personne ne pourra Ouais. suivre ça, heureusement. Mais c'était pour vous montrer à quel point c'était facilement paramétrable, en tout cas. Et justement, c'est ce qui fait un peu la force d'Active Trader. On essaye chez Active Trades, autant que faire se peut, d'innover, d'apporter des choses un peu nouvelles qui n'existent pas sur d'autres systèmes. Et je trouve que beaucoup de systèmes, beaucoup de plateformes font la part belle à des indicateurs techniques, à des méthodes de représentation des prix. C'est très bien. Moi, je suis content, hein, d'avoir des indicateurs Copoc sur des graphiques Eikenashi. C'est top, il n'y a aucun souci. Mais là, on parle de trading, on parle de Ouais, fonctionnalité de on parle trading, pas on parle d'analyse de... technique. Voilà, exactement. On augmente la possibilité des stratégies. Donc, écoutez, voilà, je vous ai fait la démo en live. S'il y a des questions par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, mettez-les en commentaire, je répondrai. Ou venez me voir directement, hein, chez Active Trades. Moi, je serai là pour vous accueillir. Mon équipe et moi-même, on sera là pour vous accueillir et vous renseigner davantage sur ce type de fonctionnalités, sachant qu'elles sont disponibles sur les comptes démo. Il n'y a pas besoin d'être client réel pour les avoir. Donc, Ok. voilà. Je serai là pour vous. N'hésitez pas, surtout. D'accord. Ah, tu J'ai vois, regarde. une petite question, On moi. est en train de. Attends, on est en train de. On a touché, voilà, on a touché les 0,5% d'extension de Fibo. Et là, on est en train de retracer. On va voir si je vais être pris. Alors, vas-y, je te laisse poser ta question, Moi, j'ai Denis. une question. J'aimerais bien savoir comment on fait quand on met deux ordres, quand on pyramide, c'est-à-dire qu'on met deux ordres dans le même sens et qu'on veut mettre. Et qu'on veut dispatcher les stops après. C'est-à-dire que par exemple, tu rentres, je ne sais pas si c'est possible, tu me diras, hein, un tiers de ligne et deux tiers de ligne, tu vois, et tu veux mettre un stop à moitié-moitié. Est-ce que c'est possible ou pas? À moitié-moitié de quoi? Je suis pas sûr C'est-à-dire que d'avoir, par moi. exemple, tu rentres une position à, je ne sais pas, un tiers, on va dire à 3 000 euros, une position à 7 000 euros. Et tu veux mettre, quand tu es déclenché, tu veux mettre un stop 5 000 euros à un niveau, 5 000 euros à un autre niveau. Ting, tic-tac, tic-tac, tic. C'est pas. Si c'est deux ordres différents, je pense pas. Ouais, excuse-moi, ma question c'est est-ce que les deux ordres, je peux les mélanger pour que ça en fasse qu'un et Alors, après de oui. cet ordre, avoir deux stops? Alors, oui et non. Sur Active Trader, vous voyez par exemple, regardez, je vais passer d'autres positions, je vais remplacer plusieurs, voilà, celle CAC 40. Sur Active Trader, il est possible
d'agréger les positions. Là, Voilà, j'ai c'est 3 ça. ordres de 40. Ouais. Je peux les agréger. Comment on Donc ça fait? va me faire. J'avais 3 ordres de 1 lot chacun, j'ai 3 lots maintenant. Et j'ai un prix moyen, du coup, des 3 ordres à Comment tu as fait? 6 300. Parce que moi, j'avais pas réussi à le faire. Tu peux En me le fait, remontrer? tu vas dans gérer position ici, Ouais. là, dans le cadre terminal. Et tu vas dans. Alors ici, en français, ce sera écrit agréger. D'accord, ok. Bah, Voilà, je ne tu trouvais cliques pas. ici. Ok. Et Et tu peux agréger par instrument, tu peux tout fermer, tu peux tout du fermer moment où d'un c'est coup. agrégé, après, moi, je peux choisir les stops si je fais 50% d'un stop ici et 20% d'un stop là. Ouais. Donc c'est possible de faire comme ça, effectivement. D'accord. Maintenant, par contre, ta question me fait soulever une idée que peut-être je vais sûrement soumettre au développeur, du coup. La possibilité d'avoir deux stops sur une position. Tu vois ce que je veux dire? Sortir la moitié là et la moitié ailleurs, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Ça, parce que voilà, y a le stop sueur Enfin, progressif, effectivement. Christophe, lui, il bosse comme ça, hein. Train France, il pyramide, il rentre, et puis après, bah, il met une stop à une première position, une stop à une autre position, En etc., fait, quoi. il rentre en plusieurs fois et il sort en plusieurs fois aussi, du coup. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand il est Ok, tapé une ça c'est fois, intelligent, hein. quand il est tapé une fois, Ah, j'ai ah, été ça, il t'arrive exécuté, regardez. d'exécuter, ouais. Ouais. Bon, par contre, ça c'est une correction en 3 bougies sur un support. À mon avis, ça va repartir à la hausse. Mais j'ai été exécuté pour la forme. À Parce mon qu'en avis, la fait, prochaine bougie, là, elle est haussière. si t'es tapé une fois, par exemple, tu mets un tiers de ta vente à un stop, tu as encore deux tiers qui te permet d'être là si jamais ça repart, quoi. Oui, bah justement. Et alors après, le tout est de savoir, parce que quand on part, ça c'est là on part dans des gestions beaucoup plus sophistiquées de ces ordres. Hein. C'est pas, on est dans autre chose, dans une autre dimension que j'achète au marché, je vends au marché, machin. Là, franchement, quand vous commencez à paramétrer des stops à différents niveaux, des entrées à différents niveaux, c'est possible sur MT4, MT5 avec des robots ou des programmes semi-automatiques, évidemment, mais ça serait bien de le rendre possible sur ActiveTrader. Effectivement, je vais soumettre ça, Denis, hein, ces idées d'avoir différents stops, parce qu'après, vous êtes, comme je l'ai dit, hein, vous êtes en, voilà, tu vois, ça rebondit, vous êtes en semi-automatique, vous n'avez pas de robot, mais tout est paramétré dans l'ordre, vous avez codé votre ordre quelque part, et ça, c'est beau. Donc là Ça, c'est pour beau. toi là, maintenant si on parle un peu d'analyse technique, tu me dis que là tu as trois corrections en trois bougies, donc pour toi c'est un peu ce que dit Karen. Karen elle dit trois bougies rouges, une bougie bleue derrière Ouais, quoi. je rejoins assez Karine sur la lecture. Alors, c'est plus sophistiqué que 3 bougies rouges comme ça. Parfois, c'est un peu plus. Il y a des bougies qui comptent pas forcément. Par exemple, des doji qu'il faudrait pas forcément inclure. Mais généralement, effectivement, ça se passe comme ça. Moi, surtout là, dans ce type de configuration, je vais zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Mais là, quand j'ai une correction en 3 bougies qui sont quasiment de la même taille. Sur une résistance majeure qui accompagne un mouvement sur un autre support, généralement la bougie d'après est verte. Je dis pas que forcément ça va Ouais, rebondir et c'est-à-dire qu'en tout. fait, psychologiquement, les acheteurs laissent Voilà. tomber et reviennent et attendent sur le niveau, quoi. Voilà, donc ça peut être soit un point de rebond, soit à minima un point d'hésitation. C'est pour ça que j'ai dit que la prochaine bougie serait verte. Mais là, tant que ce niveau tient, bon, on repart pas à la baisse, hein. Là, on consolide ici. Il y a. Je pense qu'on va repartir Ton ordre, il à. dit quoi là? T'as été stoppé ou pas encore? Non, hein? Bah non, pas encore, parce que mon trailing stop, il est là, comme tu D'accord. peux voir. Tu vois? Bon, alors par contre, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que j'ai placé plein d'ordres différents. Ah oui, ça, c'est les ordres que j'avais agrégés, je vais les enlever pour qu'on voit un peu mieux. Mais voilà, l'idée. Ah bah tu vois, regarde, ça repart à la baisse. Donc tu vois, au final, Et mon là, ordre et là, on exact. voit bien, et là on voit bien le stop suiveur, en fait, il descend à chaque fois, ouais. Ah oui, il descend à chaque fois. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les graphiques ActiveTrader. Sur les graphiques ActiveTrader, on ne pouvait pas trader sur le graphique. Enfin, c'était pas. Alors moi, j'aimerais bien qu'on voit le niveau Maintenant, si on revient financier. sur la première partie de la vidéo, là, sur le stop suiveur, tu peux dire quand le stop suiveur, quand le cours atteint 6 300, mon stop suiveur, au lieu d'être de 5 points, est de 3 points. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Voilà. J'ai compris. Donc, voilà, moi je voulais, ça m'a, je trouvais ça important, Denis. C'est vrai que moi tu me connais, je suis analyste hein, déjà de formation et de métier. J'adore parler marché, je pourrais parler marché pendant des heures et c'est ce qu'on fait sur la chaîne Pépitor avec un immense plaisir. Mais je voulais revenir sur des fonctionnalités qui parlent peut-être plus à des traders actifs. Voilà, c'est l'occasion de parler d'ActiveTrader un petit peu et Non, de c'est montrer un peu. intéressant. Ouais, ça change un peu, ça change un peu. Donc, OK. et puis d'ailleurs, ah oui, deuxième chose,
Si vous avez des questions, je vous l'ai dit, mettez-les en commentaire. Mais si vous avez des suggestions, parce que nous, chez Active Trades, on a envie d'améliorer notre produit, notre plateforme. Donc, si vous avez des suggestions, comme l'idée que Denis m'a soufflé pendant cette vidéo d'avoir deux stops sur une position, si vous avez d'autres idées, je m'adresse aux traders actifs, hein, des pépitoriens, pépitoriennes. Mmh. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner. Moi, je ferai ce que je peux pour les pousser au département UX et développement. Et on essaiera de les intégrer. Ça pourrait être sympa de proposer des choses que les autres plateformes ne proposent pas et qui rendent service aux traders actifs, surtout. Voilà. Okay. Parce qu'après tout, c'est Active Trader, hein, le nom de la société. Mmh. Donc, voilà. Voilà, okay. Voilà. Je repasse en vis-à-vis, hein, j'enlève le graphe. Tu ah veux oui, voir je, ce que ça donne. Non, c'est toi qui me dis si tu vois. Je pense que tu veux continuer dessus ou pas. Non, c'est pas la peine. Je pense qu'on a donné. J'ai un peu expliqué comment ça se passait. Voilà, je vais désactiver l'écran comme ça, on récupère un peu de bande passante. D'accord. Mais j'espère que ça a pas trop buggé d'ailleurs pendant. Non, la vidéo. Non, parfait, parfait. Ok, alors. Ben merci pour tout, Pierre. Comme d'habitude, en dessous vous avez toutes les coordonnées si vous voulez parler à Active Trade. Ou à Pierre, laissez vos commentaires. Pierre répond toujours. C'est d'ailleurs une grande vertu. Voilà. J'ai pas beaucoup de messages en même temps, c'est facile. Et je suis pas une tête d'affiche. Donc bon. Et puis on essaye de se refaire avant les vacances un petit débrief avec Ricardo et Xavier. Avec mes deux acolytes. Ouais, voilà. Complètement. Avec grand plaisir. Et pour l'événement de Barcelone. La grande question, est-ce que tu seras intervenant lors du séminaire? Mais moi, si je suis invité, avec un énorme plaisir, Denis. Ah oui, ce sera. Franchement, Active Trades ne manquerait ça pour rien au monde. Hein. D'accord. En plus, il y a pas mal de beau monde qui y va. Donc, non. Et puis Barcelone, quoi. C'est quand même une belle excuse pour aller à Barcelone aussi. Hein. Voilà, donc un nouvel intervenant. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas quand je vais passer la vidéo. Donc, pour l'instant, on connaît sur Ricardo et David Renan. D'accord. Donc, mais il y aura ça Pierre. Changer. Et puis, il y en a trois ou quatre autres qu'on vous réserve. On va les dire, on va vous les annoncer petit à petit. Moi, cette semaine, je vais aller booker l'hôtel à Barcelone. On hésite encore entre un ou deux hôtels. Et puis après, dès qu'on a le package complet entre les hôtels et les intervenants, on va essayer de faire un prix sympa, un prix coûtant. Et puis, on passera ça, je pense que vers la mi-juin, vous aurez toutes les informations. Ah, en tout cas, ça va être top. Et moi, je salue énormément l'initiative de ton initiative, Denis, de Pépitor, de créer justement ce genre d'événement. C'est toujours sympa de se rencontrer en vrai. Et puis, non, ça va être un week-end top. Puis l'avantage, nous, ce qu'on voulait faire, c'est que il n'y a pas seulement un échange entre les intervenants et les participants, mais c'est qu'on mange tous ensemble. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on prend tout l'hôtel. On mange ensemble à midi, on mange ensemble le soir, le lendemain, on a une réunion des tête-à-tête, etc., etc. Non, ça va être top. Ça va être top. Donc, j'ai hâte d'y être. Donc, okay. Donc ce sera le 11, 12 et 13 novembre. Hein. Je rappelle aux auditeurs si jamais vous avez raté un épisode. Merci Pierre pour tout. Puis on se voit rapidement alors. Merci à toi, Denis, pour l'invitation. Et puis j'attends ton coup de fil pour la vidéo avec Ricardo et Xavier. Encore une fois, avec grand plaisir. D'accord. Merci. Ciao à tous. Donc, comme d'habitude, laissez des commentaires, appuyez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.